Et salut tout le monde, on se retrouve sur Naruto X Boruto Ninja Trives où je vais vous présenter ma box après les 1 an du jeu. D'ailleurs, avant toute chose, je vous invite à aller récupérer 1000 Shinobi Coins par rapport à l'anniversaire. Il nous donne donc il nous donne 4 singles. 4 singles à récupérer ici. Mine de rien, c'est mieux que rien. Donc je vous invite tout simplement à aller les récupérer. Juste attendez quelques secondes, voilà. Et ça va vous permettre d'invoquer sur ce portail qui est celui de Kabuto et Madara. Du coup, je vous présente ma box après les 1 an. Ben, c'est vrai que j'ai pas trop joué au jeu depuis le temps. J'ai up que de 2 ou 3 niveaux. J'ai pas trop tryhard. J'ai réussi à drop le Naruto Uzumaki de l'anniversaire. J'ai réussi à drop le Kabuto. À faire up le Naruto du film 5 étoiles, le Naruto SR. J'ai réussi à faire up le Kakashi Hatake Shonen 5 étoiles. Lui, j'ai réussi à le faire monter 4 étoiles, bientôt 5. Lui, bientôt 4 étoiles. J'ai réussi à faire monter le Gaara 4 étoiles. Et du coup, il y a quoi comme autre unité? Ok, 75, c'est pas mal. Ça me fait pas mal de doublons. Vu que j'ai réussi à le drop en single dans le dernier portail. J'ai réussi à avoir quelques doublons sur cette Sakura adulte. Elle est où? Je suis en train de la chercher, ça prend un peu de temps. Ah oui, d'ailleurs, j'ai réussi à avoir aussi cette unité-là. Du coup, voilà, c'est cette unité-là que j'ai réussi à drop. Attendez, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'ai acheté quelques doublons. Enfin, j'ai acheté quelques personnages. Comme le Minato Namikaze. J'ai également acheté la petite Kushina. Et le Naruto de l'anniversaire. Donc, Naruto Petit. Naruto Shedood. Et j'avais également acheté le Sasori mode poupée, si on peut l'appeler comme ça, ouais, mode poupée. Donc, ça me fait pas mal d'unités à améliorer pour les modes survival. Du coup, voilà ma box. Et on va aller tester cette box. D'ailleurs, on va monter cette unité-là. On va la monter ici. Avant de pouvoir le débloquer 4 étoiles. D'ailleurs, l'unité reste très intéressante, hein. On va aller acheter un peu tout ce qu'on a. Tout ce qu'il faut acheter pour pouvoir promouvoir les personnages. Et on va tester dans différents modes de jeu ce que donne cette team après les 1 an du jeu. Du coup, on part ici. On ouvre ça. Ok, vu que c'était l'anniversaire de Sarada. Alors ça, on va le faire en off, c'est pas le plus important. Et du coup, le shop. On va acheter ça parce que c'est important. On n'oublie pas. De toute façon, avec la monnaie que j'ai à l'heure actuelle. J'ai pas trop à m'en faire. J'ai pas trop de soucis à m'en faire. J'ai plus de 185 millions. Donc je suis bien. On reset. On achète ça encore une fois. Et on va directement partir tester. Du coup, on est là. On va tester la nouvelle team tout simplement. Dans le drill 150K parce que j'ai pas encore débloqué, il faut que je sois au niveau 65. Ah ouais, mine de rien, c'est pas mal. On va faire ça. On va le mettre ici. Il y a qui pas. Ah ouais, ils sont tous. En vrai, ce qu'on va faire, c'est que je vais remplacer ce Sasuke. Le Sasuke Free to Play.
Et je vais mettre le Kabuto pour voir un peu ce qu'il donne. Bon, après, je perds 4K de puissance, mais ça sera juste pour le test de la team après les 1 an. Test de Kabuto après les 1 an. Donc, ça fera pas mal. Ça me fera une vidéo pour le contenu. Donc, il se trouve ici, ok. D'ailleurs, ça fera aussi un test pour le Naruto KCM. On va faire ça x2 parce que ça va être trop long sinon. Voilà, dans tous les cas, je le termine avec ou sans lui. Du coup, en vrai, j'ai une team bien centrée dans les persos tactical. C'est pas avec les auto-attaques qui met du poison normalement, Kabuto? Ou c'est avec sa spé? Ça, j'ai complètement oublié. Du coup, en vrai, ça va, c'est correct. Mais bon, c'est pas dans ce mode de jeu que je vais pouvoir le tester à fond. Au maximum de ses capacités. Ouais, déjà, là, je le termine juste sur ça. Du coup, le Susanoo va le terminer. En vrai, il devrait mettre un mode de jeu où on pourrait tester. Enfin, déjà, on pourrait sélectionner l'adversaire et le mettre dans quel type pour pouvoir voir si l'unité est bonne ou pas. Ça serait 100 fois mieux en fait que de nous faire ça en fait. C'est dommage. Du coup, on va partir tester l'unité. Dans l'arena Ninja Arena, on fait les préparations tranquille. Ok, il y est déjà. Est-ce que j'ai mes chances? Ah oui, largement. On va prendre quelqu'un de. Oh, allez, on va prendre celui à 236K. Ça sera un peu plus corsé. On verra ce qu'il donne. On verra si l'unité est potable ou pas. Contre des unités de même niveau. Que ce soit en termes de rareté ou en termes d'étoiles. Du coup, là, c'est lui qui commence. Du coup, il m'en a éliminé un. Ouais, c'était sûr. Il est bien tank son chinois. Il a dû monter 7 étoiles. Enfin, j'ai pas vu le nombre d'étoiles, mais il a dû bien monter. Du coup. Voilà, c'est moi qui commence. Du coup, je lui ai éliminé un. Ouais, j'ai bégayé. Là, vu que j'ai les attaques spé, normalement, je terminerai. Je lui en bute 2. Vu que j'ai Boruto 5 étoiles. Et Kiba 5 étoiles également. Ah ben non, il m'élimine, c'est dommage. Je pensais que j'allais commencer le tour, mais non. Ok, on est sur du 111K. C'est pas mal. Alors, il va utiliser quelle compétence l'auto? Ok. Du coup, on va pouvoir voir la technique de Kabuto pour voir un peu ce qu'elle donne. Ok. On attend le mauvais type, malheureusement. Il va utiliser quoi comme attaque? Ah, j'ai peur. Là, j'ai réellement peur. Ah, c'est dommage. Bah, c'est moi qui commence le tour. Ok, c'est l'attaque spé de. C'est le trips de Itachi, donc attaque en zone. Donc on va voir l'attaque, combien elle donne. 458K?
C'est pas l'attaque en zone, mais c'est pas mal parce que nous, mine de rien, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai également augmenté ses compétences. Enfin, son trips. Du coup, mine de rien, c'est normal que je fasse autant de dégâts. 458K sans le coup critique sur un élément équivalent, sur le même type. C'est ça reste très très correct. Est-ce qu'il va me paralyser? Non, ça va, il m'a pas paralysé. Il fait zéro dégâts sur le Kabuto. Sur le Boruto, qu'est-ce que je dis? Il m'a silence Boruto, ce qui fait que j'ai pas pu utiliser la compétence. Du coup là, c'est moi qui commence. Attaque en zone du Naruto Free to Play de Noël. Je vais en éliminer. Ah, presque deux. En vrai, l'unité, elle fait pas super mal, mais elle met pas mal de malus. Ce qui fait que, mine de rien, l'unité reste intéressante. Elle n'est pas là pour faire des dégâts. On n'est pas sur du Itachi ou quoi. On n'est pas sur du Itachi, on n'est pas sur du Naruto ou quoi. Je vais en éliminer deux. 144K, c'est pas mal. Ah, il a bien monté la speed de Chino, hein. 466. Il aurait dû attaquer avec les deux. Le bot, parfois, il fait n'importe quoi. Il m'en a éliminé un. Bon, là, le choix, dans tout cas, c'est trois chip tech. Comme je vous l'ai dit, j'ai une team très centrée pour les personnages de chip tech. 62K. Et je baisse son attaque. Il va faire l'attaque. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc, attaque, bonus d'attaque fois 1,3. C'est un type défensif le chinois. Ah, c'est dommage qu'il utilise l'attaque, le trips de Sasuke. Même si je l'ai légèrement monté, c'est dommage. C'est un contre-type. 335K à contre-type, c'est pas mal. Du coup, c'est pas mal pour une team après les 1 an. On va tester maintenant dans un autre mode de jeu. On récupère juste ça. On est dans le mode de jeu de l'exercice. On sélectionne 3 joueurs enfin 3 personnages des joueurs. Et là, on est sur le boss de Kakashi pour drop ses fragments. Du coup, là, ma team, elle est en bas, comme vous le voyez. En bas avec Naruto KCM et le duo Itachi Sasuke Revenge. Ah, mine de rien, il a bien monté sa team lui, hein. Ouais, bien tank. Du coup, est-ce que je vais pouvoir lui éliminer un perso? Ouais, ok, 58K avec Naruto KCM. Normalement, là, je le termine avec ces persos. Il a une team beaucoup, enfin, bien montée du coup, avec le Kamui, Shidori et tout. Combien il va faire de dégâts? 381K. Bah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est la fameuse attaque contre Shin. Uchiwa, Shin Uchiwa. Shuriken. Ça va. Ça va. Ouais, du coup, je vais l'éliminer avec Itachi.
dégâts fois 1,25 augmenté. K contre chips, c'est pas mal. Ok. Et on va maintenant partir dans le test, dans le survival mode. La tour de survie. Je crois qu'il appelle la tour éternelle. Ouais. C'est bien ça. Après, il y a aussi le raid à faire. Du coup, on fait ça, on récupère ça. On se prépare pour le battle. On va mettre qui? On va mettre Kabuto. À la place. Non, on va pas le mettre ici. On va le mettre tout simplement ici là. Ok. En vrai, dès que je vais monter 4 étoiles et tir 13, ça va être pas mal. Et il baisse ma défense. Du coup, deux cheat tech, on va focus. Ouais, on va focus le Naruto. Ok, on est à du 80K sur ce tour de dégâts. L'attaque de Kiba est chargée. J'hésite à le mettre sur le Naruto, mais non. Du coup, on va faire ça. Ok. Ah, je vais pas le buter. Ok. Oh, Rasengan! Ah, il m'en a éliminé un. Ok, je pense que je vais les aligner. 15K. Ah ouais, c'est pas beaucoup. On va le garder, on va pas l'utiliser. Attends, ça dépend. Ça dépend. Ouais, du coup, j'ai pas le choix. Je suis obligé de l'utiliser. Pour éliminer, sinon ils vont me buter. Vu que son ultime, sa technique ultime, permet de recouvrer tous ses HP, de régénérer tous ses HP. Donc forcément, j'ai pas le choix. Sinon, il va crever. Ah, ça va, il s'est pas fait focus. Je voulais pas prendre le risque. Qui est-ce qui va focus là? Bah, c'est pas grave, allez. On tente le coup, j'espère que Kabuto ne va pas se faire focus. J'aimerais tester l'attaque combinée, enfin A3, mais avec les trois compétences chargées plutôt. Ah, c'est une. Ok, il focus lui, donc tranquille. Wouah, il me bute. Du coup, a priori, là, je devrais pouvoir les terminer. J'ai failli faire une dinguerie. Du coup, normalement, je le termine avec l'attaque de Kabuto. 102K. Contre-type, combien je vais faire de dégâts avec Boruto? 148K, c'est pas mal. Après, si je fais moins de dégâts avec Kabuto, c'est parce que ses items ne sont pas montés. C'est normal. Du coup, on va pouvoir tester le petit Naruto KCM avec son ultime. Est-ce que je vais les éliminer? Je vais pas tenter le coup. Je vais pas tenter le coup. J'ai envie de faire ça.
Ok. 202K, ok, c'est pas mal. Ça va, il ne m'a pas éliminé. J'ai cru. Bah, dans tous les cas, là, j'ai terminé. Du coup, le Naruto KCM, il est vraiment OP pour le mode de survie. Parce qu'à chaque fois, avec son ultime, il peut régénérer la totalité de ses HP. Qui plus est, il gagne davantage de dégâts. Enfin, il a un petit bonus de dégâts supplémentaires. Donc, c'est pas mal le perso. Donc, si je le monte en défense, ce perso il devient overcheaté. Il sera increvable, réellement. À part si, dans le cas contraire, je me mange un silence ou une paralysie ou un stun. Dans le cas contraire, ouais, c'est sûr, ça va être tendu. Du coup, dernier test dans le raid d'Alliance. On est sur un niveau 10. Est-ce qu'on va pouvoir le passer tranquillement? On va voir ça de suite. On est quand même à plus de 21 minutes de vidéo. Ok. En vrai, je vais pouvoir le terminer en 2-2. Ouais, ce niveau-là, je vais terminer en 2-2. C'est à partir du 15 que je galère. Ouais, normalement, le Kakashi, je le termine en rapidement. Bah, j'ai pas le choix, il me laisse pas le choix de focus l'autre. Qu'est-ce qui va focus? Ok, il m'a pas buté. Ah, par contre, la paralysie qui me dérange. Ouais, ça détruit l'ordre de mes attaques. Bah, il va me faire 0 dégâts, mais je m'en fous. Du coup, là, on va attaquer le Kakashi. Normalement, je devrais pouvoir le terminer avec ça. Une attaque de zone? Allez, go sur une attaque de zone. Même si je vais faire moins de dégâts qu'avec Kiba. Ok, maintenant on va faire ça. On va les garder groupés un peu parce que sinon ça va être le bordel dans l'ordre de tour. Avant le dernier tour. Est-ce que je tente le coup du... Non, je vais le faire au prochain tour. Oh, ouais, non, vas-y, je vais le faire au prochain tour. Ah, je termine pas. Je pensais que j'allais le terminer, le Kakashi. Du coup, là, je le termine. Ok, nice. Du coup, Tribbs avec Sasuke et Itachi. Le Tribbs plutôt d'Itachi. Combien de dégâts je vais pouvoir faire? J'ai bien choisi les 636K. Ah ouais, on n'est pas au même niveau que tout à l'heure, hein. Ah oui, c'est pas mal, hein.
C'est super bon ça. Bah pour le dernier tour, ok, ça va. Du coup, on est sur du 1 688 000 de dégâts. C'est pas mal. Bon, là, on va skip rapidement. Et on termine sur ça. Du coup, la box, mine de rien, elle est bien montée. On va faire ça. Ok, c'est bon. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine et on se retrouve plus tard pour faire des lives, etc., etc. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!